pas me refaire ce coup-là. Ouais, mais ça. Un endroit pour la nuit. Et lui, shérif? Je m'occupe de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Je préfère pas savoir. Écoutez, je suis seul avec la petite ici. J'aimerais mieux pas. On restera pas longtemps. À manger. Vous avez jamais vu en ville? J'y passais de temps en temps l'hiver. J'ai un frère qui vit encore là-bas. Ensemble, on guidait les prospecteurs jusqu'aux mines. Depuis que la mère de la petite est morte, je m'y fais plutôt rare. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était malade l'hiver dernier. Je suis resté ici pour m'occuper d'elle, surveiller la maison. Sa mère est partie en ville chercher des médicaments. Puis, une attaque, enfin un braqueur de banque. Elle est au mauvais endroit. Et vous? C'est rare de voir un shérif de votre âge encore en vie. Il y a toujours des gens qui ont besoin d'être mis dans le droit chemin. Alors je suis obligé de continuer. Et Marc! Ça va aller. C'est bon, je te faisais un petit tour. Surveillez le shérif. Surveillez-le. Qu'est-ce qui t'a pris, Franck? T'avais pourtant prévenu. Les éleveurs de la région n'ont plus cassé toutes tes conneries. Pourquoi vous faites ça, shérif? Vous n'êtes pas obligé. Il n'y a pas si longtemps, on était pareil. Ce pays est en train de changer, Franck. C'est la fin des hors-la-loi dans ton genre.
Shérif ! Livre-nous ton prisonnier ! Mon vieux, ah, allez, allez, tu viens de mettre un pied dans la tombe, chérie. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Tu les connais, ces types? On va faire un sale coup, il n'y a pas longtemps! J'y arrive! Ok, c'est bon! Non. Tu vas m'aider à la sortir de là. Réfléchis bien, Franck! T'aurais pas fait assez de conneries comme ça! Désolé, shérif. S'il m'attrape, je suis mort.